Et ça, c'était l'occasion, voilà, de travailler pour la première fois avec Jean-Michel et avec Mike sur des chansons, en fait, des chansons hybrides, avec de la funk dedans, avec de la soul, du gospel, histoire de décloisonner un petit peu tout ce qui se passe dans la musique caribéenne. Donc voilà, je pense que c'est pas trop mal. Mais voilà. Et je voudrais dire quand même merci à Franck Mantegari à la batterie, là, notre instrumentiste qui est là. Voilà. Ralph Lavital à la guitare qui est là. Eric Mula à la trompette qui se trouve dans le coin. Voilà, il est là. Et Mister Werner au saxophone qui est dans le fond aussi. Voilà. Mikey? Mikey, bah non, Mikey, bah oui, parce que alors, qui anime, hein. ils font tous les timides en fait, mais chacun a son rôle, hein, dans le projet. Et Mike Lindon, entre autres, donc réalisateur des deux titres, et bien sûr, pour ceux qui connaissent, compositeur. Et, donc on va avoir un peu plus la partie musicale avec Mike, savoir comment il a travaillé ces deux titres, et puis bah, parler des musiciens justement, qui, en plus qui sont là, donc tant mieux. Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, je voudrais remercier Sydney. Blackstock Music, c'est lui qui me donne la chance, mais qui nous donne à tous la chance de faire des projets comme ça. C'est pas, en tant qu'instrumentiste, on est souvent dans l'ombre. Nous, on a l'habitude, hein, c'est pas forcément quelque chose bon, d'être tout devant, mais qu'on nous donne la chance comme ça de réaliser un truc avec des gens qu'on aime. Et j'ai toujours rêvé de faire quelque chose avec Jean-Michel Rotin depuis mon enfance. J'écoute ses musiques. On est un peu de la même génération et j'ai toujours rêvé de faire un truc avec lui. Donc c'est vraiment pour moi un grand honneur aussi de faire ça avec lui. Je voulais remercier aussi tous les musiciens. C'est une équipe que j'aime énormément. Et tous dans leur domaine, ce sont des chefs pour moi. Quoi. C'est vraiment des très bons musiciens. Donc pour revenir au morceau, ils étaient à la maison. Il dormait dans un tiroir. Voilà, souvent ça arrive chez les musiciens, on compose tous, mais ça sort jamais. Parce que bon, c'est des trucs qui restent un peu. Malheureusement, parce qu'il y a de très bons compositeurs dans les musiciens et qui n'ont pas l'occasion, justement, d'où des labels comme ça, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Ils me donnent la chance de faire ça. Et j'avais composé déjà ces morceaux à l'époque en pensant à Jean-Michel. Qui n'a jamais eu l'occasion d'écouter. Et ce monsieur passe à la maison un jour parce qu'on se voit souvent, on est devenus amis. On se voit souvent, il m'invite sur des projets qu'il produit. Il y a aussi Michel Alibaud, comme il a dit, un grand frère, mes guides, quelqu'un que je respecte énormément. Et il passe à la maison, il écoute ses morceaux parce qu'il est aussi. Des Antilles, hein. Voilà, lui aussi, il recherche aussi ses racines quelque part antillaises, hein, côté de son père, Martinique. Donc voilà, il écoute de tout à la maison et il écoute ses titres. Et je lui parle de l'historique que j'avais composé pour Jean-Michel. Et il me dit coup de cœur, faisons le projet, faisons le truc. Et voilà, c'est parti comme ça, on a appelé Jean-Michel, il a tout de suite accepté. Il a dit oui. Voilà, sans parler de budget, sans parler de quoi que ce soit, c'est un label d'instrumentiste, on ne sait pas où on va, on fait ça comme ça pour s'amuser et puis on voit. Et il a dit oui, je ne savais même pas qu'il aurait dit oui. Non, merci beaucoup. Voilà en gros le cheminement du truc. Voilà. Jean-Michel a oublié de parler. Ah, pas de problème, bonsoir tout le monde, rebonsoir et... Meilleurs vœux, Saint-Valentin, joyeux Noël. Moi, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. C'est très rare, c'est un exercice que je n'ai pas l'habitude de faire. Rebonjour aux médias, puisque ça fait un moment. Donc c'est d'abord des potes, et par l'intermédiaire de Mike, j'ai pu connaître Sydney et puis retrouver des instrumentistes, des musiciens qu'on croise en tournée ou en studio. Ce fut un réel plaisir de pouvoir participer. Ce sera pas pour la dernière. C'est pas la dernière fois qu'on fera ça. J'espère bien. Juste pour revenir, qu'on avait déjà des discussions très souvent en studio. Je pense que même qu'il y a peut-être des questions qui trottent dans la tête de chacun de nous. Pourquoi on n'a plus d'album instrumental
venant de la Caraïbe ou bien des Antilles, que ce soit Antilles françaises. En tant que chanteur, moi j'ai grandi avec des instrumentaux, de grands groupes qui mélangeaient très beaux accords avec des interprètes formidables. Donc moi, je me suis dit, repartons sur cette base-là. Et des discussions qui durent depuis environ plus de 10 ans. Et aujourd'hui, on arrive à le réaliser. On va essayer de tenir le bébé au maximum et pouvoir vous offrir ça le plus souvent possible. Je ne serai pas tout le temps le chanteur, il faut le savoir. Hein. Donc il y aura différents chanteurs. Mais en fait, au niveau de l'état d'esprit, on va toujours rester pareil, même si je ne participe pas en tant qu'interprète, mais on a décidé de rester ensemble et de travailler ensemble, de se conseiller ensemble pour le plaisir de vos oreilles. Merci d'être venu ce soir. Bien sûr, il y a Jean-Michel Rotin écrit, Mike Clinton. Ben, il est de notre devoir, nous, qui présentons le premier projet, de bien faire savoir qu'en fait, c'est un état d'esprit que nous sommes en train de proposer. Et c'est l'état d'esprit de Black Stamp. L'état d'esprit de Black Stamp, c'est un état d'esprit de liberté, de créativité. Dès que vous verrez ce nom, d'une manière, en fait, on devra faire le nécessaire. Il n'est pas question de parler de Jean-Michel Rotin, de Mike. Ce sera une succession d'artistes. Donc justement, comment c'est articulé? Parce qu'on sait que Music Hall, le premier projet justement de Black Stamp, il y avait cette réunion d'artistes merveilleux, instrumentistes, mais aussi au niveau donc ce mélange entre rap, jazz, reggae, Sir Samuel. Donc ma première question, ça va être, est-ce que, parce que là on voit que ça sort en mode single, est-ce que vous allez regrouper tout cela dans une compilation où le but c'est d'être un petit peu dans le mode nouvelle génération, on sort un titre, deux titres, et voilà. Et c'est déjà ma première question. C'était quoi la question? Comment vous allez sortir? C'est-à-dire en mode, ça va être continuer comme ça? Un projet comme un peu musical, en fait. Ça va être comme musical ou sorties, on est focus sur un artiste, plus ou moins, ou ça va être comme musical? D'accord. Donc, genre des compilations. Ouais, non. Alors déjà, le terme compilation, c'est pas possible. Ça, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Voilà, c'est un album. Donc, si album il y a, ce sera l'album Black Stamp Jean-Michel Rotin. Donc, je sais pas pourquoi Jean-Michel dit oui, Black Stamp va sortir plein de trucs, tout. C'est vrai. Mais là, aujourd'hui, ce soir, on est là pour Black Stamp Jean-Michel Rotin. Et si album il doit y avoir, eh ben, ce sera l'album Black Stamp Jean-Michel Rotin by Mike Clinton. Et ce sera ça, et voilà, chaque projet en son temps. À l'âge d'or de l'industrie du disque, dans les années 80 et 90, ça marchait très très bien de faire un vrai single, de regarder un petit peu comment ça fonctionne, et ensuite d'enchaîner sur un album. Je ne fais pas ça pour être dans le 2.0 ou pour être en adéquation avec la nouvelle ère, quoi. Je fais ça parce que je pense qu'on aime l'objet, qu'on a envie de revenir à quelque chose de plus charnel, de plus premium. Et voilà, c'est comme ça que ça s'articule pour le moment, ces deux titres. On va les clipper, le clip arrive au mois d'avril, on va clipper les deux, Be Cool et Peace Joy, et puis ensuite, voilà quoi, en fonction de ce qui se passe, on continuera de façon. Si Jean-Michel veut chanter, bien sûr. Voilà. Okay. J'ai bien répondu. C'est bien. Ça va, c'est bien. Bonsoir Jean-Michel. Alors mon premier regret, c'est de n'avoir pas pu emmener mon fils. Parce que j'ai un fils de 12 ans qui est batteur. Et bien que son papa soit chanteur aussi, il n'écoute que du Jean-Michel Rotin. Alors donc je crois qu'il a encore de beaux jours devant lui. Alors je voulais savoir, est-ce que le concept, est-ce que Black Stamp, c'est un label qui est appelé à devenir... un peu une Motown, par exemple, pour nous. Parce que en fait, on arrive à une époque où il n'y a plus de label. Le dernier grand label, c'était Debs. Et où tout le monde essaye de faire les choses par lui-même, etc. Donc, est-ce qu'il y a une perspective dans ce sens-là? Oui. Merci. Allez, au revoir. Au revoir. Ha 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 ha!
Oui, Pascal, hein, pour répondre à ta question, c'est exactement ça. Voilà, là, on travaille sur le Blackstem Jean-Michel Rotin, mais il y a Caribe at Midnight qui arrive aussi, qui est l'album de Mike. Voilà, où c'est pareil, c'est sur les mêmes bases. C'est une fédération d'instrumentistes, un choix de techniciens bien particulier, un studio bien particulier et des invités. Il y a Jean-Michel, on va retrouver sûrement Eric, il y aura Mathieu Edwards, des dessins pris, Jacob, Grand Master Flash. Donc voilà, Blackstem, c'est ça. Et puis derrière, il y a un album de pop qui va sortir qui s'appelle Strawberry Milk aussi, qui est de la pop californienne. Cyril Amourette, un jeune guitariste, compositeur comme Mike, mais voilà, qui travaille beaucoup avec moi. Et voilà, pour le moment, faut pas trop se disperser, c'est bien. C'est varié. Et puis, il y a aussi quelque chose qu'on pourra retrouver sur l'intégralité des projets Blackstem, c'est une charte graphique qui a été développée par Yann Couedor, qui est un artiste illustrateur. Il est là aussi, voilà. Voilà, il s'occupe de toute la charte graphique, de toute l'illustration de Blackstem. Donc là, c'est lui. Pour ceux qui ont le projet. Voilà, et ce sera lui encore sur pas mal d'autres projets. Voilà. Moi, je suis vraiment dessus pour une raison simple. Et on en parle, tous ceux qui sont dans la salle, on a déjà eu des discussions. C'est très difficile pour nous, instrumentistes ou bien chanteurs ou musiciens, déjà de se rassembler pour travailler ensemble, puisque en fait la majeure partie du temps Mike ou Ralph ou tous ceux qui ont ce talent fou, ben ils sont demandés par les meilleurs, et donc ce qui fait qu'en fait on se retrouve avec une culture sans les pieds. C'est comme une table mais il n'y a plus de pieds. Voilà. Et les médias essaient de tenir la table, les chanteurs, les nouveaux, les aficionados, en fait tous ceux qui font partie de cette culture, essaient de tenir comme ils peuvent. Mais il faut savoir un truc, que c'est ces gens-là, en fait. Ce sont les musiciens qui permettent que nous puissions être des chanteurs, des danseurs, des propriétaires de boîtes de nuit, des médias, des studios. Donc voilà, donc c'est une chance. On s'est retrouvés voilà, entre amis, il n'y a pas de cachet, il n'y a pas de déclaration. Mais c'est important de le dire parce qu'en fait, c'est 2-3 jours, voilà, off, voilà, où on se permet, en fait, on se dit, bon, voilà, il n'y aura pas de cash-ching-ching cette fois-ci, il y aura de la créativité. Donc, c'est un combat, au-delà de l'album que vous avez écouté, en fait, c'est politiquement aussi un combat qu'on est en train de mener pour ramener ce côté humain. Voilà. Ouais, bravo. C'est pas facile.